Voilà, ça y est, on est confortablement installé. On va parler aujourd'hui de ça. C'est quoi ça, les amis? Regardez, bah, c'est une chaussure ASICS et c'est la Nimbus numéro 24. Voilà, le chiffre est là. Alors, la Nimbus 24, alors la Nimbus, déjà, c'est un peu une chaussure mythique hein, de chez ASICS. Elle n'a pas de défaut particulier, cette chaussure. Je lui trouve, moi, plutôt que des qualités. Le seul petit bémol, le seul petit point dont on pourrait parler, c'est son prix. Voilà, malheureusement, c'est une chaussure qui est à 190 euros. Alors, je dis malheureusement, hein, parce que 190 euros, c'est quand même une somme. Cela dit, on va faire comme d'habitude, tige, semelle intermédiaire, semelle externe. La tige, hyper confort. Alors là, c'est pour vraiment, la Nimbus 24, c'est un peu la chaussure qui m'a réconcilié avec les chaussures de route de chez ASICS. Je dirais concilié, c'est un petit peu entre guillemets, je n'étais pas particulièrement fâché avec les chaussures de route d'ASICS, mais disons que ces dernières années, j'avais pas vraiment eu l'occasion de tester beaucoup de chaussures de route ASICS, et puis j'étais resté sur cette impression que ASICS a longtemps été leader hein, de son secteur dans le monde des chaussures de route course à pied vendues au niveau de la quantité. Je pense qu'ASICS était leader pendant pas mal d'années. Aujourd'hui, je ne suis pas sûr que ce soit toujours le cas. Je pense qu'il y a eu un rééquilibrage depuis l'émergence d'autres marques. C'est vrai que je me suis un petit peu détourné de la marque japonaise. Il y a deux marques japonaises sur le marché, hein, qui sont ASICS et Mizuno. Voilà, j'avais testé moi des chaussures de trail hein, de chez ASICS, notamment la Trabuco. Mais des chaussures route, ça faisait bien longtemps que je n'avais pas testé de chaussures ASICS. Et je n'en voyais pas vraiment l'intérêt parce qu'il y avait une pléthore d'autres marques, d'autres modèles. Je ne vais pas toutes les cités, mais avec qui moi j'étais très copain, qui m'allait très bien. Et là, j'avoue que j'ai fait l'effort donc de mettre le pied dans cette Nimbus 24 qu'on m'a envoyé pour le test. Donc je remercie au passage ASICS France de jouer le jeu de ces tests. Et la Nimbus 24, eh ben, elle m'a surpris parce que c'est une chaussure hyper confortable que j'ai trouvé. Qu'est-ce que tu veux? Pourquoi tu me pousses toi? Que j'ai trouvé hyper confortable à tout point de vue, c'est-à-dire la tige bien sûr, mais la semelle intermédiaire aussi. La semelle intermédiaire, on va y revenir, hein, mais pas de défaut. Voilà, semelle externe. Alors si peut-être semelle externe, j'aurais un ou deux trucs à dire, mais on va commencer par la tige.